monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau récap actu hack and slash du mois de juin 2021 et on commence immédiatement avec Lost Ark qui arrive enfin chez nous en Occident, c'est pas trop tôt, voilà je vous l'ai précisé dans l'onglet communauté. Les préinscriptions sont ouvertes, je vous ai mis le lien du site officiel simplement dans la description. Il y a une phase d'alpha fermée qui a déjà débuté, puisqu'elle a débuté le 11 juin. Et là, au moment où je sors cette vidéo, normalement ça va être le 12 ou le 13. Et elle se termine le 16, mais elle est sous NDA, donc on ne pourra pas avoir un aperçu du gameplay ou quoi que ce soit. Et après, il y aura une bêta un peu plus publique, enfin elle sera pas publique, mais elle sera à vocation à avoir davantage de joueurs pour peut-être un petit peu pousser les serveurs à bout. Et elle aura lieu en juillet, d'après ce qu'on a compris. Il n'y a pas de date de sortie précise pour le jeu, si ce n'est quand même une prévision pour l'automne 2021. Mais sur le site officiel, il y a marqué, vous savez, 31 décembre 2021. Ça veut dire tout simplement, que c'est la même chose pour Diablo 2 Resurrection, ça veut dire tout simplement qu'ils ne savent pas exactement quand va sortir le jeu, et donc ils se permettent le maximum possible dans l'année fiscale, parce que pour eux aussi c'est une question de fiscalité, mais rien à voir, je vais pas tout mélanger, mais voilà. Donc vous avez la date des phases d'alpha sous NDA, vous avez la date de la bêta, et vous avez pas vraiment la date de sortie, mais on sait que c'est pour 2021. Lost Ark, pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah, c'est un hack and slash immense, très ambitieux, que j'attends depuis au moins 8 ans facile. Et vous aussi, je pense, qui suivez la chaîne depuis un moment maintenant aussi. Il sera porté en Occident par Amazon Games, qui se place en tant qu'éditeur occidental, simplement du titre, pour sa distribution. Mais derrière les développeurs et éditeurs aussi dans les contrées asiatiques, eh bien, c'est Smilegate. Et Smilegate, à l'époque où je vous avais parlé de Lost Ark il y a quelques années maintenant, j'étais pas trop sûr de ce que ça valait, je connaissais pas si bien que ça l'éditeur. Mais maintenant que j'ai beaucoup joué à Epic Seven, qui est un gacha sur mobile, qui a un modèle économique très free-to-play friendly, très gentil pour le coup, je peux vous confirmer que Smilegate, quand même, leurs jeux au final sont, en tout cas dans leur adaptation occidentale, sont plutôt free-to-play friendly. Et il est évident, j'en parlais avec un pote hier, je termine là-dessus parce que bon, je vais pas faire une dissertation non plus, c'est une news, hein. Mais gardez bien à l'esprit que la version qu'on va avoir de Lost Ark, parce qu'il y en a qui disent c'est pay to win, machin, vous en savez rien, la version qu'on aura sera fortement modifiée par rapport, enfin peut-être, hein, on l'espère en tout cas, mais il y a de grandes chances qu'elle soit fortement modifiée pour s'adapter au marché occidental qui n'a pas du tout les mêmes attentes qu'un marché coréen qui aime le pay to win. Les Coréens, faut bien comprendre qu'ils apprécient le pay to win, pour eux c'est une forme d'accomplissement, enfin bref, c'est culturel. Chez nous, évidemment, on est beaucoup plus attaché au skill, à la performance, et on n'a pas envie de mettre la main au portefeuille. Enfin, voilà. Donc, typiquement, un modèle buy-to-play, moi, m'aurait bien plu, mais bon, on a la confirmation que ce sera du free-to-play. Et à mon avis, du coup, ils vont mettre une boutique avec du cosmétique, ça c'est évident, et du pay-to-accelerate, ce qu'on appelle, et pas du pay-to-fast, qui veut rien dire, hein, mais bon, bref, c'est de la terminologie, on s'en fout un peu. Mais ils vont mettre du pay to accelerate avec des boosts d'XP, la possibilité d'acheter une monnaie qui va nous servir à plein de choses pour progresser plus rapidement. À mon avis, ça va être ça. Mais ce sera pas non plus pay to win. Sachant que le jeu aussi a un système de PVP très intéressant. Donc wait and see. J'ai oublié de vous parler des packs fondateurs. Ils sont accessibles sur le site du jeu. Et comme vous pouvez le voir, déjà ça nous donne des petites indications justement quant au modèle économique. Quoi qu'il en soit, le premier prix c'est du 25€ et ça vous permet, ça vous garantit l'accès aux phases d'alpha et de bêta. Ensuite, on passe à un jeu que vous n'attendez sûrement pas ici, c'est Bleach Brave Soul qui est un jeu mobile. Bleach Brave Soul c'est un excellent hack and slash parce que je le considère vraiment comme un hack and slash, c'en est un. C'est un action RPG vu de dessus où vraiment vous allez grinder à l'infini, améliorer vos personnages, dropper des équipements, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans la formule porte-monstre-trésor hack and slash, quoi. Mais le tout dans l'univers de Bleach, que moi personnellement j'adore, mais ça après c'est les goûts et les couleurs. Et sous prétexte qu'il est sur mobile, bien qu'il est disponible sur Steam, hein, il a une version PC tout à fait correcte, et bien sous prétexte voilà, que c'est un jeu mobile, il ne mériterait pas notre attention.
Eh bien, moi, je peux vous confirmer, parce que j'ai une chaîne mobile, donc je traite beaucoup de jeux mobiles aussi, qu'il est vraiment excellent. Donc, si vous êtes fan de Bleach, ça pourra vous plaire. Et si vous êtes fan de action RPG. Et la news, c'est qu'un nouveau mode de jeu PVP en temps réel va sortir sur le jeu. Ce qu'on attendait depuis des années, parce qu'actuellement, c'était un système PVP complètement useless, asynchrone, contrôlé par une IA, donc aucun intérêt. Là, ça va être vraiment, on contrôle nos personnages, on joue en équipe avec d'autres joueurs, ça va être super cool. Ensuite, un autre jeu mobile qui s'adapte en version PC, hein, donc bien sûr, tout ça, je ne vous parle que de jeux PC, hein, évidemment, mais c'est juste qu'à la base, c'était un jeu mobile, et je l'ai déjà testé. Ça s'appelle Anima The Reign of Darkness, peut-être vous l'avez aperçu sur Steam. Il rend totalement hommage à Diablo, à la licence Diablo premier du nom, hein, Diablo 1, avec un level design très similaire, une progression de nos jours qu'on jugerait un petit peu monochrome, un petit peu couloir, puisqu'on va s'enfoncer de plus en plus profondément sous la terre. Dans Diablo 1, c'était un monastère. Ici, c'est une crypte, hein, ça revient un peu au même. Et plus on s'enfonce et plus on découvre des nouveaux niveaux, des nouvelles ambiances, des nouveaux ennemis, et la difficulté augmente. Donc, un level design très simple et très old school, mais pour tous les amateurs de jeux de cette époque, de Diablo 1, tout ça, ça vous conviendra parfaitement. Et donc, c'est un hack and slash old school de Dark Fantasy, vous l'aurez compris. Il y a 5 classes disponibles sur le jeu, donc c'est plutôt pas mal. Moi, quand j'y avais joué à sa release sur mobile, il n'y en avait pas autant, il n'y en avait que 3. Donc depuis, il y a eu des mages et des améliorations, hein, donc je ne sais pas tout sur le titre. Il y a une double spécialisation, ça existait déjà à l'époque, qui est plutôt rigolote, un petit peu comme dans Grimdawn, du coup, vous allez faire des hybridations de classe avec un arbre de talent. Donc il y a des possibilités de théoriecraft, il y a des possibilités de build. Au niveau du gameplay, c'est quand même assez rigide, voilà, il faut aimer, mais il faut avouer que l'adaptation PC de cette version mobile, parce qu'avec les contrôles mobiles, la résolution mobile, on pourrait dire, bon, ça va être galère, bah non, franchement, l'adaptation PC est bonne, et les contrôles sont à la souris, au clavier pour les sorts, sont tout à fait classiques et fonctionnent, donc c'est plutôt cool. Donc Anima, j'ai pas encore testé la version PC, mais je le ferai, parce que il mérite. Encore une fois, avis aux amateurs de jeux vraiment old school. Hein. Et je termine avec King's Hunt, qui est un nouveau jeu que je connaissais absolument pas, de Tower Defense, mais qui mélange du hack and slash, d'après leur dire. Hein. Moi, de ce que je vois, ça a l'air, oui, d'être effectivement un action RPG avec des mécaniques de Tower Defense multijoueurs. Moi, la première fois que j'ai vu ce que vous voyez en fond, là, les extraits de gameplay en fond, ça m'a fait penser à Paragon, ou Parangon, je sais plus ce que c'était le nom, complètement. Avec des graphismes, vous savez, un petit peu ultra réalistes, là, avec l'Unreal Engine, je sais pas. Ça m'a fait penser tout de suite avec une sorte de feeling un peu MOBA, vu à la troisième personne. J'aime pas trop déjà ce style. Après, c'est évidemment une pré-pré-alpha. Donc tout est encore en développement, tout peut être modifié graphiquement ou dans le gameplay. Mais ce que les devs veulent nous dire avec ce petit rendu, c'est que déjà le jeu quand même a un peu de gueule, hein, pour quelque chose d'aussi early. Et puis ce mix Tower Defense hack and slash, Tower Defense encore une fois avec cet aspect MOBA, j'ai l'impression, où on doit défendre des tours un petit peu comme dans un League of Legends. On a également pour l'équipe qui défend des contrôles spéciaux, vous pouvez contrôler les minions au sol, leur donner des ordres, ou peut-être même construire d'autres défenses, voilà. Mais on est sur un jeu qui a une vocation finale compétitive, j'ai l'impression multijoueur, on n'est pas vraiment dans le hack and slash. Pour moi, le hack and slash a des codes, porte-monstre trésor, déjà, c'est la base, donc a des codes inhérents qui ne correspondent pas vraiment à ce que je vois. C'est plutôt un action RPG, voilà. Parce que, encore une fois, les terminologies, c'est un peu compliqué dans le jeu vidéo, surtout que tout le monde a la sienne, hein. Si tu demandes à des journalistes de chez machin, ils te diront autre chose. Donc c'est pas évident. Moi, en tout cas, de ce que j'ai retenu de mes cours de game design, la terminologie, ça compte un peu pour pas dire n'importe quoi. Après, c'est un peu aussi ma vision personnelle du hack and slash. Bref, vous y mettez ce que vous voulez.
peut-être le jeu vous intéressera-t-il. En tout cas, ça vous le fera sûrement découvrir, parce que King's Hunt, j'en avais jamais entendu parler. Vous pouvez vous préinscrire pour participer aux phases de test sur le site officiel. Vous tapez King's Hunt sur Google, tout simplement. Des bisous, j'espère que ça vous a plu, ce récap mensuel. À très bientôt les amis.